Merci beaucoup. Bonjour, comment ça va bien? Bien mangé? Bienvenue. J'espère qu'en ce début d'après-midi, vous n'allez pas trop rôter du sang, mais on fera de notre mieux pour que ça se passe bien. Enchanté, je m'appelle Edouard Sia, je suis Cloud Native Dev chez WeScale et j'aime beaucoup Rust. Ça fait pas très longtemps que je m'y suis mis, mais pour avoir fait du C quelques années, je trouve que c'est un langage qui est vraiment un bon successeur. Troll, contrairement au Go. On va essayer de pas trop troller, hein, mais voilà. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Orgix, même si j'ai aussi un vrai prénom. Si vous voulez me rentrer dans une case, c'est la case un petit peu SRE et affilié. Et actuellement, je travaille chez Payfit, qui est une scale-up qui fait de l'édition, de la gestion de fiches de paye. On fait en sorte que ça soit pas compliqué pour les TPE et PME de payer les gens. Moi, je trouve ça cool comme mission. En fait, moi, j'aime bien tous les trucs qui tournent bien, comme un couvis, les trucs fiables, qui vont pas planter, etc., que ce soit côté infra ou côté code. Et c'est du coup assez naturellement que j'ai fini par tomber dans Rust, on va dire. Premier contact avec Rust, pour commencer, Stalk, la mascotte de Rust, Ferris, un très mignon petit crabe. Certains diraient plus mignon qu'un gopher, je vous laisserai en juger. Mais Rust, du coup, en tant que langage, c'est un langage qui est procédural avec beaucoup de choses empruntées au paradigme fonctionnel. C'est un langage qui se veut vraiment parallèle et safe dans ce parallélisme, notamment pour permettre d'avoir un certain nombre de bénéfices côté performance. On peut faire des choses assez performantes en Rust. Rust est très approprié pour tout ce qui est programmation système. Ça ne veut pas dire que ça y est limité, on peut faire des choses plus haut niveau, mais c'est très approprié dès que vous voulez faire des choses un peu un bas niveau, un peu système. Preuve en est, c'est aujourd'hui le seul langage en dehors de C qui est dans le kernel Linux, depuis peu. C'est un langage compilé, vous pouvez compiler des jolis petits binaires statiques faciles à shipper. Et le point le plus important, selon moi, dans le langage, c'est un langage qui se veut sûr et fiable. C'est-à-dire que le langage et le compilateur, by design, vont vous apporter tout un tas de garanties que les choses vont bien se passer, que vous n'allez pas avoir de buffer overflow, que vous n'allez pas avoir de nil pointer exception, que vous n'allez pas avoir tout ce genre de choses. Donc, moi, j'aime bien résumer ça un petit peu en disant, bah, Rust, c'est le plus proche que j'ai trouvé du fameux ça compile, donc ça marche. Ça y est, j'ai écrit mon code, il compile, je ferme les yeux et ça se passe bien. Alors, bien évidemment, ça ne vous prémunit pas contre vos erreurs de logique, métier, etc. Mais ça vous évite d'avoir à vous soucier de tout un tas de choses qui pourraient mal se passer au runtime, et vous permet de vous concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Et en plus de ça, bah, ça vous évite du coup tout un tas de potentielles failles de sécurité qui pourraient être introduites au niveau du code avec moins de garantie. Et pour cette sûreté, cette fiabilité, Rust s'appuie en grande partie sur un système de typage très fort et statique. Donc les types, c'est vraiment quelque chose de très important en Rust. On va d'ailleurs en voir quelques-uns par la suite. Avant de vous parler du snippet de code ici à droite, je vais vous demander 20 petites secondes. Vous allez voir, c'est pas long, c'est pas compliqué. Est-ce que vous pouvez tous, sans exception, lever la main, s'il vous plaît? C'est vraiment pas compliqué, allez-y. Super, merci. Est-ce que tous ceux qui écrivent du Rust régulièrement peuvent baisser la main, s'il vous plaît? Ok. Ceux qui ont déjà essayé d'écrire 2 ou 3 lignes de Rust. Ok. Ceux qui ont déjà lu, vu du code Rust, plus de 5 lignes, hein, j'entends, si vous pouvez baisser la main. Ok, donc tous ceux qui ont encore la main levée, normalement vous avez quasiment jamais vu de Rust de votre vie. Super, vous êtes la cible de Stalk. De même pour ceux qui ont essayé d'écrire 2 ou 3 lignes, de même pour ceux qui en ont juste lu. Et normalement, du coup, vu que c'est là quand même la majorité de cet auditoire, le code là qui est derrière moi, il fait potentiellement pas peur, mais en tout cas, il n'est pas forcément super intuitif. On voit des dièses derive. Si on regarde parmi les dernières lignes, on a un bête print. On se dit, ah, c'est un truc simple, c'est commun dans tous les langages, on va print des choses. Et pourtant, à l'intérieur de la chaîne de caractères, il y a quand même accolade, 2 points, point d'interrogation, accolade à la suite. On a un peu l'impression qu'on essaie de jouer au bingo et de caser tous les symboles spéciaux de notre clavier sur une seule ligne. Bref, c'est pas forcément super intuitif de premier abord. Pourtant, c'est un programme qui fait quelque chose d'assez simple. Il va faire une requête HTTP synchrone, va désérialiser le résultat et va l'afficher. Tout ça de manière sûre avec le compilo, du coup, qui va nous apporter tout un tas de garanties. Notre objectif pendant Stalk, c'est faire en sorte que quand vous en sortiez, ce snippet de code soit compréhensible, que vous soyez à même d'écrire des choses un petit peu similaires, que vous ayez toutes les notions, les concepts pour le comprendre sans trop vous prendre la tête d'un point de vue syntaxe, d'un point de vue notion, etc. Et donc ça, c'est le premier contact avec le côté code, mais votre premier contact à vous avec Rust, ça sera probablement avec Cargo. Cargo, qui est l'outil officiel de Rust pour gérer vraiment tout ce qui va être cycle de vie au final, le développement, que ça soit la gestion de dépendance, que ça fait d'ailleurs de manière assez extraordinaire, que ça soit la partie aller appeler ce qu'il faut pour aller compiler votre binaire, que ça soit la génération de documentation,
le fait d'aller publier votre bibliothèque sur crates.io, qui est le registre de bibliothèque Rust officiel, ou ce genre de choses. Bref, ça gère tout un tas de choses. C'est un peu votre NPM, Pip, Maven, ce que vous voulez, avec plein de features très cool d'ailleurs. Mais ce sera votre premier contact avec ça, et vous le verrez un peu plus tard dans un live coding par Edouard. Et en parlant d'Edouard, je vais lui passer le micro. Enfin, on en a deux, donc il va juste se mettre à ma place. Il a le challenge de réussir à vous expliquer la partie peut-être la plus velue de Rust, qui est la gestion de la mémoire. Mais il va faire ça très bien, vous allez voir. Bon. Alors, merci. Les attentes sont hautes. Oui. Quand on gère de la mémoire, on a un certain nombre de problématiques assez rapidement qui nous arrivent sur le coin du nez. À savoir, quelle quantité de mémoire allouer pour telle ou telle information, telle ou telle donnée. Comment est-ce que je fais pour initialiser cette mémoire? Est-ce que je me fatigue déjà à l'initialiser ou est-ce que je considère que non? Et puis, grande blague avec tous les garbage collectors, quand est-ce que je libère ma mémoire? À quel moment j'en ai vraiment plus besoin et je peux la réutiliser ailleurs? Et puis, si on creuse encore un petit peu, il y a d'autres éléments qui viennent poindre le bout de leur nez, comme comment est-ce que je fais pour orchestrer des accès concurrents à la même zone de mémoire, en faisant en sorte de ne pas me retrouver quand même avec un tas de lectures de données qui sont périmées, ou des écritures qui viennent s'écraser les unes les autres, etc. Et enfin, comment est-ce que je fais pour, moi, en tant que langage, donc pas moi en tant que développeur, je fais pour aider les développeurs à faire en sorte de gérer la mémoire de façon simple. Est-ce que ils se débrouillent comme des grands, ou est-ce que je leur donne plein de trucs pour leur faciliter la vie? Il y a à peu près autant d'approches que de langages de programmation dans le monde, mais je vais essayer, sur ce spectre, de mettre à peu près deux extrémités. Tout à gauche de ce spectre, on a l'approche manuelle du C, qui vous dit « vous êtes des adultes consentants ». Donc, je vous donne les clés du camion, débrouillez-vous, tu fais un malloc, tu fais un free, tu te débrouilles, la taille c'est toi qui gères, le faire un seul free c'est toi qui gères, si tu as besoin de contrôler la concurrence, tu te débrouilles avec des sémaphores que je te mets à disposition, bref, le contrôle est maximal, mais la sûreté, pas tout à fait au niveau. Les dangers de cette organisation-là, fuite mémoire, débordement de tampons, double libération, lecture sale, écriture concurrente, il y en a tout un paquet. À l'opposé du spectre, on peut trouver du Java, qui, en somme, vous dit « vous n'êtes pas digne ». Vous n'êtes pas digne. Je vous fournis un mot-clé new qui va faire l'allocation de mémoire, et puis, quand vous n'aurez plus besoin de votre zone mémoire, je me débrouille pour un moment qu'il me semble opportun, faire en sorte de libérer la mémoire pour la mettre à disposition. On a un certain nombre de valeurs par défaut qui sont définies pour nos différentes variables, histoire de ne pas se retrouver avec des restes de bouts de mémoire qui n'étaient pas initialisés, et où on peut aller lire des choses qu'on ne devrait pas aller lire. C'est à peu près tout. Et du coup, on n'a pas énormément de contrôle, mais néanmoins, la sûreté reste assez moyenne dans le sens où tout ce qui est mécanisme de synchronisation, sémaphore, etc., il faut y penser à le faire quand on en a besoin, et généralement, c'est quand on est en train de débugger un problème en prod qu'on s'aperçoit qu'on aurait peut-être dû le faire. Les problèmes qu'on peut avoir avec cette approche, alors, fuite mémoire, avec des gros guillemets autour, parce que techniquement, c'est pas des vraies fuites mémoire, mais bref, on peut quand même avoir des histoires de lecture sale et d'écriture concurrente à cause de ces histoires de sémaphore. Et du coup, Rust. Qu'est-ce qu'il propose? Alors, c'est une approche, en fait, il n'y a pas de mots-clés. Vous dites juste que vous voulez fabriquer une structure, et puis il sait que vous voulez faire une allocation de la taille de la structure, il devine. La libération de la mémoire, elle se fait sans garbage collector, c'est-à-dire qu'il y a une mécanique dans le langage Rust qui fait qu'il sait de façon déterministe à quel moment la mémoire va être libérée. Et donc si lui le sait à quel moment ça va l'être, vous le savez aussi en tant que développeur. Le contrôle de la concurrence est intégré au langage, il y a déjà tous les éléments pour le faire, et même on va voir un peu plus loin que c'est... Il faut vraiment se lancer dans des trucs chauds pour réussir à faire des écritures sales. Autrement dit, il faut commencer à utiliser le mot-clé unsafe, c'est-à-dire des choses que vous n'êtes pas censé faire au quotidien. Le contrôle, d'une façon générale, est vraiment pas loin du maximal, puisque on sait quand est-ce que ça va être libéré, on l'alloue quand on en a besoin, donc c'est nous qui déterminons quand est-ce que c'est alloué, et puisqu'il y a de facto pas possibilité de faire des écritures sales, etc., la sûreté est quand même très très grande. Mais alors du coup, c'est quoi cette approche?
Eh bien, pour ça, je vais utiliser une analogie. Imaginez que vous possédez un appartement ou une maison et que vous souhaitiez vous en servir pour le prêter à des connaissances ou pas. On va faire du Airbnb, par exemple. Vous pouvez le prêter à une ou plusieurs personnes. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, ces personnes doivent rendre l'appartement ou la maison dans l'état dans lequel ils l'ont trouvé. Hors de question de péter les murs, de changer le carrelage, de repartir avec les petites cuillères, tout doit repartir dans le même état où ils l'ont trouvé. En fait, ces personnes ont un peu emprunté votre maison en lecture seule. À peu près. Vous avez une autre possibilité, c'est de faire des travaux à une entreprise spécialisée. Quelqu'un a voulu filer les clés de la maison, et cette entreprise va tout péter. À changer les murs, refaire la déco, etc., changer les meubles. Mais à aucun moment, j'espère, il ne vous viendrait à l'idée de louer sur Airbnb votre appartement alors qu'il y a des travaux en cours. On espère. Sinon, prévenez-moi que je ne vienne pas. En Rust, c'est pareil. En fait, en réalité, si vous remplacez les personnes par une variable et la maison par une zone mémoire, en réalité, les variables vont être propriétaires d'une maison ou d'une zone mémoire, et elle va pouvoir prêter cette zone mémoire à d'autres variables de façon temporaire, en lecture seule à une ou plusieurs variables, ou en écriture, mais dans ce cas, exclusivement à une variable, et pareil, de façon limitée. Autre chose, vous pourrez aussi, à un moment donné, vouloir vous débarrasser de votre maison ou de votre appartement. Plutôt que d'y mettre le feu, vous pouvez chercher à transférer cette propriété et vendre cet appartement à quelqu'un. En Rust, vous faites la même chose, sauf que vous déplacez la propriété d'une donnée d'une variable à une autre. Comme ça. Bien, voilà. Maintenant, c'est plus à moi. Et la variable, ensuite, possède, ou la personne possède l'appartement et donc la variable à donner. Alors, avec un petit bout de code, je vous propose qu'on... C'est bon, regardons ensemble comment tout ça se met en place avec un premier petit programme qui crée une string nommée X et s'en sert pour afficher deux messages sur la sortie standard. On va suivre l'exécution de ce programme pas à pas et cette flèche permettra de savoir quelle instruction est en cours d'exécution. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe du côté de la mémoire pendant l'exécution de cette instruction ? Notre programme va interagir avec deux zones mémoire, le tas et la pile. Le tas, c'est l'endroit où on va allouer à la volée des zones mémoire dont la taille n'est pas connue à la compilation. Par exemple, une chaîne de caractères qui serait tapée par notre utilisateur. La structure de l'ensemble est plutôt bien imagée, c'est un tas sans vraiment d'organisation, et on accède à une zone donnée par son adresse en mémoire. En l'occurrence, notre programme alloue assez de mémoire pour y écrire FE2RIS. La pile, c'est l'endroit où, entre autres, on va mettre les variables du programme ainsi que les paramètres d'appel des fonctions. Ici aussi, la structure est bien imagée par son nom, c'est une pile sur laquelle on va. Les derniers éléments qui ont été posés sont les premiers qui vont y être enlevés. Dernière contrainte, seuls des éléments de taille connue à la compilation peuvent être mis sur la pile. En l'occurrence, notre programme crée de quoi finir de stocker notre string, dont sa longueur actuelle et l'adresse en mémoire sur le tas où trouver les caractères qui la composent. Bon, reprenons le même programme. Pour notre deuxième exemple, avec une petite modification, la création d'une variable y à partir de x et son utilisation en lieu et place dans l'affichage des messages. Alors, on a déjà vu ce qui se passe en mémoire avec la ligne 2. Jetons maintenant un œil à ce qui se passe sur la ligne 3. On copie la valeur de la variable x pour créer la variable y sur le dessus de la pile et seules les informations qui sont dans x sont copiées. C'est-à-dire que les caractères FE2RIS ne sont pas copiés. Et les deux pointe sur la même zone mémoire. Dans la langue de Rust, on vient de déplacer la propriété de la donnée de x vers y, et on n'a plus le droit d'utiliser x pour manipuler les données. Si jamais on essayait quand même de le faire, le compilateur émettrait un message d'erreur et ferait échouer la compilation. Alors là, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il nous embête avec ça, le compilateur ? Eh bien, considérons ce petit programme. Il est très semblable au précédent, à ceci près que la déclaration de y autorise la modification. Jusqu'à la ligne 3, rien de bien fou, vous savez exactement ce qui se passe, et vous avez remarqué qu'on tronque. Ligne 5, on voit que si on pouvait utiliser X, en fait, on essaierait d'accéder
à une chaîne qui est censée être de taille 6, mais en réalité elle est de taille 2. Problème, on vient de mettre en place le nécessaire pour faire un débordement de tampon. Alors, un autre intérêt de la propriété de la donnée, c'est de déterminer à quel moment, et de façon claire et prédictible, la libération de mémoire a lieu. La règle est très simple, la libération a lieu quand la variable propriétaire de la donnée meurt. Ce petit programme va nous servir à illustrer ça, et vous avez probablement anticipé ce qui se passe sur la ligne 2. Quand on arrive à ligne 6, ligne 4, on a notre variable y qui est créée, et qui a une durée de vie limitée au bloc, et quand on arrive à la ligne 6, la variable y meurt, et la mémoire associée est libérée sur le champ. Alors, pour rappel, il n'y a pas de garbage collector en Rust, la mémoire est vraiment libérée au moment de quitter le bloc de code. Autrement dit, pour les habitués du C, une accolade fermante, ça implique un appel automatique à la fonction free, et pour toutes les variables définies dans le bloc. Arrivé l'inset, la variable y, x, doit surtout pas être utilisée, parce que on pointe sur plus rien. Le compilateur se charge de vérifier qu'on ne fait pas cette erreur. Et du coup, pour les appels de fonctions, comment ça se passe? Une fonction, en fait, c'est pas grand-chose de plus qu'un bloc de code qui porte un nom. Le passage de la variable x en paramètre déplace la propriété vers la variable y de la fonction greet, et lorsque celle-ci termine son exécution, la mémoire allouée à la variable y est libérée, et comme juste avant, il ne faut surtout pas utiliser la variable x, et le compilateur Rust se chargera de vérifier qu'on ne le fait pas. Mais du coup, si je veux continuer à utiliser x après l'avoir passé en paramètre à greet, il suffit de permettre à greet que d'emprunter x au lieu d'en prendre possession. Et cet emprunt, comme pour l'appartement de tout à l'heure, va permettre à greet d'utiliser x le temps de son exécution et de la rendre ensuite. Ça se matérialise dans le code par le fait de fournir une référence vers x, son adresse en mémoire, au lieu de la valeur de x elle-même. La fonction greet déclare que son paramètre est une référence, un emprunt en lecture seule vers une string. Une fois l'exécution de greet terminée, la variable y meurt, l'emprunt est terminé, et on peut continuer à utiliser x puisque y n'était pas propriétaire de la donnée. Donc là on a vu les références simples, c'est-à-dire en lecture seule, et voyons enfin les références mutables. Premier changement, pour espérer obtenir une référence mutable, il faut que la variable dont on souhaite emprunter les données soit elle-même déclarée comme mutable. Tous les contrôles de mutabilité et d'emprunt étant effectués par le compilateur, il n'y a absolument aucun impact sur la représentation en mémoire à l'exécution. On peut alors créer une référence mutable à fournir à la fonction greet. On donne les clés du camion aux ouvriers, enfin de l'appartement plutôt, pour qu'ils puissent casser les murs, et l'emprunt mutable se termine quand la variable y meurt à la fin de l'exécution de la fonction. Bon, c'est le moment où je respire. Alors, je vais rendre la main à Orgix pour les notions indispensables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'était millimétré, cette animation et cette démo. Je vous propose de l'applaudir parce que quand même, il y a beaucoup de réflexion derrière. Merci pour lui. Donc c'est super, on a vu maintenant la gestion de la mémoire en Rust, qui est quand même un concept assez salé, comme on vient de le voir. Pour autant, c'est pas tout ce que le langage nous propose. D'accord, c'est super, ça nous prémunit contre plein de trucs, cette gestion de mémoire, mais y a plein de notions, de types, etc., qui viennent avec Rust, et qu'il est aussi nécessaire de connaître. C'est des notions que vous allez soit croiser dès que vous allez lire un bout de Rust, qui fait plus de 10 lignes, soit que vous allez vous-même devoir utiliser dans vos premières heures de Rust. L'idée, c'est d'en faire un petit peu le tour. La première de cette notion, qui s'est de plus en plus démocratisée dans d'autres langages de programmation, c'est la notion de pattern matching, qui est ni plus ni moins qu'une sorte de if, else, else, if, etc. sur stéroïdes, mais qui va vous permettre de ne pas oublier de gérer de cas. C'est-à-dire que là, par exemple, je définis une variable x qui vaut 1, et je vais aller matcher la valeur de x avec différentes possibilités. 1, 2, 3, et à la fin mon underscore qui est le cas par défaut. Si je n'avais pas mis ce cas par défaut, le compilateur m'aurait par exemple dit « non, tu gères pas le cas où x vaut 4 en fait. C'est un problème, gère-le. » Alors on le gère à ce cas par défaut parce que j'ai pas envie d'écrire l'intégralité des valeurs possibles pour un entier, vous pouvez imaginer, ça prendrait de la place. Mais donc voilà, ça vous permet d'être sûr de ne jamais oublier de cas, et on va le voir, c'est quelque chose qui est très utile en combinaison avec d'autres types de Rust pour être certain justement de ne pas avoir de cas surprise où au runtime on découvrirait des choses et ça finirait par exploser. Le premier de ces types qu'a un Rust, c'est un type qui s'appelle Result, qui est là pour vous permettre de gérer les cas d'erreur sainement. On regarde la première ligne, parsing result, qui vaut quoi? Qui vaut le résultat de hello, la chaîne de caractères, point parse i32. J'essaye de parser la chaîne de caractères hello comme étant un int de 32 bits. Et le résultat de ça,
c'est pas directement un int. Si on regarde un petit peu avec la petite flèche aussi, la petite flèche au-dessus, le type de parsing result, c'est un result de i32 ou parsing error. C'est-à-dire qu'une manière d'encapsuler, d'un point de vue type, le fait que bah, soit j'ai une valeur, comme attendu, soit j'ai une erreur. Il y a des chances qu'en essayant de parser hello comme int, ça soit plutôt une erreur dans ce cas-là. Ça va me permettre ensuite de le matcher pour traiter ensuite les cas, soit c'est OK, j'ai effectivement bien une valeur, i en l'occurrence, et elle est affichée, soit j'ai une erreur et faire autre chose. Donc le type result, ça vous permet de gérer les cas d'erreur proprement et surtout d'avoir la garantie que vous n'allez pas oublier d'en gérer. Puisque rappel, pattern matching, si jamais j'oubliais par exemple de gérer le cas r, le compilateur m'insulterait gentiment. Deuxième type essentiel à Rust, le type option, qui va vous permettre de représenter l'absence consciente, assumée et saine de valeur, parce que ça arrive. Ici, je définis quelque chose qui est talk audience, qui est de type option d'une chaîne de caractères. Donc soit j'ai une chaîne de caractères, somme de, en l'occurrence, ren, c'est sympa, vous êtes là, merci d'être venu voir notre talk, mais ça pourrait aussi valoir none, c'est-à-dire l'absence complète de valeur. Ça pourrait être normal, on pourrait avoir une salle vide. C'est bien pour représenter l'absence consciente de valeur. Par exemple, quand vous faites des requêtes à une base de données, une requête pour trouver quelque chose par un ID, par exemple, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de résultat. Et ce n'est pas une erreur. Il n'y a pas d'erreur d'un point de vue de la base de données, d'un point de vue d'autres requêtes. C'est juste que vous n'avez pas de résultat, et c'est normal. Et il faut le gérer. Justement, ensuite, on va pouvoir aller matcher ça pour dire, soit j'ai somme de quelque chose, et je vais le traiter, soit j'ai none, et je vais le traiter. Donc pas d'histoire de nil pointer ou ce genre de choses pour représenter le y a pas de valeur. Type option pour représenter ça avec somme ou none. Et il y a des petits raccourcis aussi, parce que c'est super, mais si je dois faire des... je vais revenir sur le snippet juste d'avant. Si je dois faire du pattern matching à chaque fois que j'ai une fonction qui me renvoie un result ou un type option, ça devient vite très verbeux quand même. On pourrait critiquer certains langages où pour la gestion d'erreurs, on doit faire des if-r différents de nil une ligne sur deux. Si c'est pour faire des matchs à la place, c'est pas beaucoup mieux. Mais ça tombe bien, parce que justement, on a certains raccourcis, et le premier de ces raccourcis, c'est le point d'interrogation. Il n'y a pas de typo dans le titre, c'est vraiment un point d'interrogation. Si on regarde la toute première ligne, elle est quasiment similaire à celle de tout à l'heure, à deux petites différences près. La première, c'est l'avant-dernier caractère de la ligne. J'ai rajouté un petit point d'interrogation après mon appel à parse. Et la deuxième différence, c'est du coup le type de i, ici. C'est plus un result, c'est directement l'entier. En fait, ça, c'est exactement équivalent à si j'avais fait mon appel à parse, que j'avais matché le résultat, que dans le cas où il y avait bien une valeur, où c'était OK d'une valeur, j'ai retourné cette valeur. Et que dans le cas où j'ai une erreur, j'ai simplement vraiment return, j'ai exit ma fonction, mon scope courant, et j'ai retourné cette erreur. Donc ça permet de la propager facilement. Donc voilà, ce premier raccourci, le point d'interrogation, qui vous permet de retourner directement cette erreur, et vous pouvez ensuite l'échaîner, etc. Il y a bien un moment où, au plus tard dans votre main, vous allez devoir vraiment gérer cette erreur, parce qu'il n'y aura personne au-dessus de vous pour la gérer, mais ça facilite, et ça rend le code un petit peu plus lisible, potentiellement, si vous n'avez pas envie de faire de traitement spécifique sur cette erreur. Il y a des fois où vous voulez vraiment le traiter. Deuxième raccourci, un petit peu similaire, mais quant à lui plus dangereux, unwrap, qui va cette fois agir sur les types option. Première ligne, talk audience, somme de bracecamp.unwrap. Tiens, on avait mis somme de ren juste avant, je crois. Ouais. En fait, c'est une manière de dire au compilateur, je te garantis, je te promets, il y a une valeur, il y a quelque chose, c'est pas none. Vraiment, j'en suis certain. Et en fait, d'ailleurs, vous en êtes tellement certain que le compilateur, la manière dont il traduit ça, c'est ce que vous voyez juste en dessous du petit commentaire strictement équivalent à, c'est-à-dire que dans le cas où c'est none, votre programme va paniquer, littéralement. Vous voyez bien, il y a écrit littéralement panique. C'est-à-dire qu'au runtime, votre programme va purement et simplement crasher. Parce que vous avez promis à votre compilo que non, il n'y aurait jamais le cas none. Du coup, utiliser avec beaucoup de parcimonie, voire quand vous commencez Rust, à ne pas utiliser. Gérer les cas proprement, gérer les cas où il y a none. Si une fonction vous renvoie un type option, ça veut dire que potentiellement, il peut ne pas y avoir de résultat de manière légitime, et du coup, c'est un cas que vous devez gérer. Il y a quelques cas vraiment à la marge où ça peut être pertinent de faire du unwrap, Edouard vous en montrera un tout à l'heure, mais de manière générale, éviter, c'est la meilleure manière d'avoir un programme qui crache. Passons maintenant un petit peu à la manière de représenter les données en Rust. Alors, on a des énums, je ne vais pas rentrer dans le détail, elles ont l'air assez banales comme ça, mais en vrai, c'est un peu plus proche des sealed classes dans d'autres langages pour ceux qui connaîtraient. On a aussi des structs
qui sont la manière de base de représenter des données en Rust. Donc là, j'ai du truc talk qui a un titre qui est une chaîne de caractères, un kind qui est une des valeurs de l'enum au-dessus, et une audience qui est un type option. J'ai peut-être une chaîne de caractères ou peut-être pas. Et je vais instancier cette struct. Voilà, je définis un talk. Bon, bah, c'est super, c'est le titre de notre talk. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Et en fait, tout ça, ça nous emmène à une notion fondamentale en Rust, qui est la notion de trait. On va faire un truc très simple. Vous imaginez que j'ai toujours l'enum, la struct, etc. défini au-dessus. C'est la même instanciation de mon talk que j'avais. Et j'essaie de faire un truc très très simple. Afficher ce talk-là. println, il y a un petit point d'interrogation, en fait, c'est des macros en Rust, mais vraiment, imaginez que c'est une fonction. Ça, pour l'instant, dans le cadre de ce talk-là, quand vous commencez, il n'y a pas forcément de nécessité de connaître les détails. Imaginez que c'est une bête fonction. Et j'affiche les informations du talk. Il n'y a vraiment rien de plus basique. Hein. Afficher une information contenue dans une struct, dans n'importe quel langage à peu près, c'est la base. Pour autant, si j'essaye de faire ça, eh ben, les ennuis commencent. Rust va me dire, bah, non, il y a une erreur, il y a un truc qui se passe mal. Mais on a de la chance, en Rust, le compilo est là pour vraiment vous aider et vous accompagner. Et ben, du coup, on va aller lire cette erreur. Ça me dit que talk n'implémente pas std.fmt display. Et si je regarde un petit peu plus bas le truc en énorme gras et rouge qui est là pour apparemment vouloir attirer mon œil, je vois que, bah, il me dit que talk ne peut pas être formaté avec le formateur par défaut. Et quand on y réfléchit, bah, ça a du sens. Là, je suis en train de lui demander d'afficher un talk. Qu'est-ce que Rust en sait de ce que ça veut dire afficher un talk? Est-ce que ça veut dire afficher le titre? Est-ce que ça veut dire afficher tout le contenu sous forme de JSON? Est-ce que ça veut dire afficher l'audience? Il en sait rien. Et justement, il nous dit, bah, moi, tu me demandes de faire des suppositions et d'imaginer des comportements, qui n'est pas un truc trop en ligne avec la philosophie de Rust. Et, bah, en fait, il me dit comment corriger ça. Comment justement lui dire comment afficher ce talk. En l'occurrence, il me dit que ben, le trait stdfmtdisplay n'est pas implémenté pour talk. Donc un trait, c'est en fait un contrat de comportement. Ça s'appelle les interfaces dans beaucoup de langages, et ça va consister à définir des fonctions avec une certaine signature. C'est parti, on va le faire. J'ai rajouté juste en haut la partie use qui me permet d'avoir les types que je vais utiliser plus loin, et j'ai rajouté un petit bloc de 3-4 lignes, impl display for talk, où je vais implémenter ce trait, ce contrat d'interface, display, pour ma struct talk, qui va consister en le fait de définir une fonction, hein, qui est, c'est ce que définit le trait, display, une fonction qui s'appelle fmt et qui prend en paramètre l'objet à formater lui-même, un formateur dans lequel je vais aller écrire la chaîne de caractères résultant du formatting de mon objet, et qui va renvoyer un result bah, pour dire si oui ou non le formatting s'est bien passé. Et là, je fais quoi? Je fais un bet white du titre, en l'occurrence. Je suis en train de dire, bon, bah, ok, afficher mon talk, ça veut dire afficher le titre. On peut évidemment implémenter plusieurs traits pour une même struct. C'est parti, on essaye, à votre avis, ça marche ou pas? Qui parie que ça marche ou pas? Qui parie que ça marche? Ok, qui parie pas? Qui s'en fout? On en a quand même 4 qui répondent, c'est pas mal. Qui dort? Donc, bon, bah, bonne nouvelle, ça marche bien, ça m'affiche bien mon titre. Ceci dit, c'est un peu lourd quand même. Je veux dire, moi à la base, je pense vraiment juste, je suis en train de débugger, j'ai juste envie de voir ce qu'il y a dans ma struct pour avancer. Ça tombe bien, il y a une deuxième possibilité. Si on regarde le message d'erreur de tout à l'heure, c'est le même, hein, j'ai enlevé la partie MPL, etc. Il y avait une deuxième option dans le message d'erreur qui me disait, bah, dans les formats string, on peut aussi utiliser accolade deux points pour interrogation accolade à la place. Bah, je l'ai fait déjà là, si on regarde la dernière ligne, mon println dans ma chaîne de caractères, j'ai bien cette accolade ouvrante, deux points pour interrogation, accolade fermante. C'est pas super pratique à prononcer, je vous cache pas. Et bah, ça marche toujours pas, même si je l'utilise. J'ai une autre erreur, ceci dit. Idem, on regarde vite fait cette erreur. Ça me dit que le trait debug n'est pas implémenté pour talk. Super. Je voulais éviter d'implémenter le trait display, je me retrouve à devoir implémenter le trait debug, qui a à peu près le même contrat. Bon, c'est pas super. Mais il y a une deuxième petite ligne ici qui me dit, bah, tu peux ajouter derive de debug à ta struct talk, ou manuellement implémenter debug pour talk. Bah, justement, je veux pas aller implémenter manuellement, moi j'ai juste envie de, à l'arrache, dumper ça comme une sorte de JSON. Je vous remonte la struct, elle a pas changé, c'est la même qu'avant, je vais juste lui ajouter un petit truc, un petit ds derive debug. Et maintenant, mon print plus bas, il marche et il m'affiche ma struct sous la forme d'une sorte de JSON. En fait, le derive va me permettre d'avoir une implémentation automatique, un peu par défaut, de certains traits. Avec, voilà, on ne va pas chercher à faire des choses spécifiques, mais voilà, néanmoins, il faut l'expliciter. C'est un bon raccourci qui facilite la vie dans pas mal de cas. Edouard vous en montrera dans le live coding un peu après plusieurs cas. Mais donc voilà, quand vous voyez les derives, c'est
s'il te plaît, Rust, implémente-moi un comportement par défaut pour ce trait qui a du sens. Et du coup, si on résume ce qu'on vient de voir, les notions indispensables en Rust, on a vu le pattern matching, qui va vous permettre de ne pas oublier de gérer certains cas, même s'il est 3h du matin, même si vous n'avez pas les yeux en face de trou, même si vous n'avez pas encore eu votre premier café de la journée. Le compilateur vous garantira qu'il n'y a pas de cas pas gérés. Le type result, qui permet de représenter, d'encapsuler des erreurs, où soit on a bien une valeur, soit on a une erreur, qui va nous forcer à gérer ce cas-là et à ne pas l'oublier. Et le petit raccourci pour interrogation, qui nous permet de early return l'erreur en question, si on n'a pas de traitement spécifique à faire dessus, à part laisser la planche la gérer. Le type option, qui nous permet de représenter sainement l'absence consciente, normale et attendue de valeur. Donc soit on a somme de quelque chose, soit on a none, on n'a rien. Et là encore, qui fera qu'on devra gérer ces cas-là. Et le point unwrap, dangereux, qui permet de s'abstraire de la gestion du cas none, que, encore une fois, on vous déconseille beaucoup d'utiliser quand vous commencerez à faire du Rust. Et ensuite, ben, les énums, plutôt classiques, les trucs qui vont nous permettre de représenter les données, les traits qui vont représenter les contrats d'interface que doivent respecter certains trucs dans certains cas, qui va nous permettre d'ailleurs de dépendre de certains, d'un point de vue typage, de certains traits, de certains comportements, plutôt que directement d'un type précis. Et enfin, derive, qui nous permet d'avoir une sorte d'implémentation automatique de base, commune un petit peu, de certains comportements. Et maintenant que vous avez toutes ces notions indispensables, ben on va voir ce que ça donne en pratique. Edouard va vous faire un petit live coding. Disclaimer, on a pris un parti pour ce live coding, on a pris le parti de ne pas faire une sorte de bête hello world, vous en avez plein en ligne, vous trouvez plein d'exemples assez simples. On a plutôt pris le parti de prendre un exemple et une code base tiré d'un exemple réel, concret, pertinent. Alors vous allez voir, que ça soit le cas ou que ça soit le code, ça peut être un peu velu. S'il y a un moment où il faut vous réveiller et vous concentrer pour suivre Edouard, c'est maintenant. Mais néanmoins, du coup, c'est assez représentatif. Ok, merci. Alors, en direct, ce que je vous propose de finir d'implémenter avec moi, c'est un petit outil qui va aller interroger un service externe qui s'appelle Electricity Maps et qui permet d'avoir les prévisions de l'empreinte carbone de la production d'électricité un peu partout dans le monde. Donc on lui spécifie en fait dans quelle zone on veut l'empreinte carbone, puis il nous dit bah écoute, dans les 30 et quelques prochaines heures, voici l'empreinte carbone, et on va se charger nous ensuite de mettre un petit outil par-dessus pour calculer quelque chose à base de si moi je veux consommer 3 kilowatts à la vitesse de 3 kilowatts pendant 4 heures à partir de 2 heures du matin demain. C'est quoi l'estimation de l'empreinte carbone de cette production et donc consommation d'électricité? Pour ça, on va avoir besoin de deux formules mathématiques extrêmement compliquées. Considérer que les kilowatts, c'est une quantité d'énergie, pour ceux qui sont plus habitués à la physique, en fait, c'est des joules. Que la vitesse de consommation, c'est des... Alors j'ai dit kilowatts, c'est en début, c'était kilowattheure. Que la vitesse de consommation, c'est des kilowatts, donc des joules par seconde. Et que, en multipliant cette vitesse de consommation par une durée, on obtient bien une quantité d'énergie qu'on a consommée. Ça, c'était la première formule. La deuxième, pour calculer une empreinte en grammes d'équivalent CO2, une empreinte carbone, on va avoir besoin de l'intensité de la production d'électricité, donc en grammes de CO2 équivalent, en grammes, je vais y arriver, je vais dire grammes, parce que j'en ai marre de répéter grammes équivalent CO2, en grammes divisé par des kilowattheures, et quand on multiplie ça par des kilowattheures, on n'a plus que les grammes. L'idée, c'est que, forcément, quand on produit l'électricité à partir de charbon, ou à partir de gaz, à partir de nucléaire, à partir de photovoltaïque, etc., ça n'a pas les mêmes impacts. Pour vous donner une petite idée, voilà, grosso modo, l'évolution sur le dernier mois de la production, de l'empreinte de la production française. Alors, c'est le moment où je deviens dangereux parce que j'essaye de dupliquer mon écran. Tac. Hop, et je vais aller chercher ça. Pff, marcher du premier coup. Alors. Bienvenue dans ce petit live coding. Je vais commencer par vous montrer TOML, enfin Cargo et son fichier TOML de configuration dont a parlé Orgix tout à l'heure, qui grosso modo est la carte d'identité de votre projet plus la déclaration de vos dépendances. Il y a des noms là que vous commencez à voir apparaître, request, CRD, clap, qu'on va revoir un petit peu plus tard. Et, c'est des mots que vous aurez l'occasion de réutiliser, j'espère, dans vos projets.
Donc ça, c'est juste l'équivalent du pom.xml de votre package.json, etc. Un programme, ça commence par le main, et dans le main, j'ai un certain nombre de choses qui sont prévues. Toi, je voudrais que tu sois fermé. Hop. Et pour l'instant, ça fait pas grand-chose. Ça fait juste un petit hello world. On a dit qu'on voulait faire quelque chose d'un peu plus intéressant que ça. Notre main, pour l'instant, il déclare deux modules, un qui s'appelle domain et un qui s'appelle request. Ça tombe bien, il y a deux fichiers RS qui correspondent. Je vous propose de regarder un œil au module domain. Le domain, il ne fait rien d'autre que déclarer d'autres modules. Carbon, énergie, forecast, time. Et les plus observateurs et observatrices d'entre vous ont remarqué qu'on a un sous-dossier, un dossier qui s'appelle domain, avec exactement ces noms-là qu'on retrouve à côté. C'est normal. On va jeter un œil rapidement dans ce qu'il y a déjà en place dans la partie time, parce que comme on va manipuler des consommations d'électricité pendant un certain temps, j'ai modélisé la notion d'heure sous la forme d'une structure qui est juste un tuple en fait, donc de un élément. Bon, ça va pas aller très loin. Et puis on retrouve le derive qu'a évoqué Orgix avec le petit debug qui est là. Et puis on en retrouve plein d'autres, dont des qui permettent de comparer des heures entre elles ou de tester leur égalité, et puis d'autres dont je ne vais pas entrer en détail sur ce à quoi ça correspond aujourd'hui. Le display, vous avez vu ce que ça fait avec Orgix. On affiche l'heure avec le numéro de l'heure et puis l'heure, H, super. Et j'ai implémenté deux traits, un pour additionner des heures entre elles. Donc si j'additionne une heure avec self, donc une autre heure, j'obtiens self, c'est-à-dire une autre heure. Donc 2 heures plus 3 heures, ça fait 5 heures. Super. Et j'ai un truc pour parser, aussi un thread que j'ai implémenté pour parser des heures à partir d'une string. Voilà. Si je jette un œil du côté de l'énergie, tac, j'ai quelques autres structures. La notion de kilowatt, donc la vitesse de consommation d'électricité ou la puissance. On retrouve un certain nombre de derives et on retrouve aussi des commentaires avec trois slash qui représentent en fait des commentaires de documentation. Alors je ne l'ai pas montré ici, mais il y a un truc super cool avec la doc de Rust, c'est que vous pouvez inclure dedans des snippets de code sous la forme de tests, qu'on appelle des tests de doc, et qui sont joués, qui sont exécutés, ce qui vous permet d'être sûr que les exemples que vous mettez d'utilisation de votre code dans votre doc, ils sont bons, ils fonctionnent. Donc on a notre structure kilowatt qu'on va pouvoir afficher, qu'on va pouvoir parser et qu'on va pouvoir multiplier avec des heures pour obtenir des kilowattheures. Et puis bah, vu que cette opération de multiplication elle est commutative, je peux multiplier des heures avec des kilowatts pour avoir des kilowattheures. Et j'ai mes kilowattheures qu'on peut afficher, rien de plus là-dessus. Et dans la partie carbone, j'ai la notion d'empreinte qu'on peut afficher, qu'on peut additionner entre elles. On a une petite fonction qui me permet de fournir une empreinte de valeur 0 qu'on va utiliser tout à l'heure. Et la notion d'intensité, donc en grammes par kilowattheure, qu'on peut multiplier avec des kilowattheures pour obtenir une empreinte. Et même chose, la version dans l'autre sens. Alors, on va implémenter la mécanique, enfin je vais vous montrer la mécanique que j'ai implémentée dans la partie prévision. Et pour ça, on va avoir besoin d'un certain nombre de choses, on va avoir besoin d'aller récupérer des informations auprès d'Electricity Maps pour obtenir les prévisions d'intensité carbone pour le lendemain. Pour ça, j'ai créé un trait que j'ai appelé Intensity Forecaster et que j'ai dit, bah voilà, la fonction qui va être dedans, c'est la prévision pour le lendemain pour une zone donnée. Alors, en l'occurrence, ce sera France qu'on utilisera dans l'exemple. J'ai créé une énum pour pouvoir décrire les différents cas d'erreur possibles. Et j'ai représenté la notion de consommation. En fait, ça va être ce qu'on va avoir en entrée pour dire si je commence à 2h du matin à consommer à 3,1 kW pendant 4 heures en France, c'est quoi l'empreinte carbone de cette consommation. J'ai juste une petite fonction qui me permet de savoir si elle termine après minuit, parce que si j'essaye de consommer pendant 4 heures à 22h, donc demain, ça déborde sur après-demain, sauf que j'ai mon forecast que pour demain, marche pas. Donc je vais me prémunir dans l'implémentation de ma petite fonction qui va aller faire tout le calcul que j'ai évoqué, en ayant en entrée une consommation et quelque chose qui implémente mon trait forecaster,
Eh ben, si la consommation elle finit après minuit, je ne cherche même pas à aller chercher quoi que ce soit. Je dis que c'est une erreur parce que ça ne va pas. Et sinon, je vais récupérer, tac, 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 je vais récupérer les prévisions pour le lendemain, pour la zone qui m'intéresse. Et si ça c'est, donc ça, ça va me renvoyer peut-être un vecteur d'intensité. Alors vecteur, comprenez liste. Et intensité, du coup, bah, c'est la, pour chaque heure de la journée, en fait, je vais avoir 24 cases, et pour chaque heure de la journée, j'ai une intensité carbone. Donc ça, c'est ce que je devrais obtenir, mais peut-être que si jamais le service ne répond pas, ou qu'il n'y a pas assez de données, il va me dire, bah non, j'ai rien eu. Donc il me renvoie none. Et ça, le OK OR, ça va me permettre de transformer mon option qui serait vide en une erreur, un résultat en erreur pour dire, bah, en fait, j'ai pas pu récupérer les prévisions. Et enfin, il me restera juste à répondre en disant « Ok, voici, j'estime mon intensité. » Et là, il y en a certains d'entre vous qui doivent se dire « Ils sont où ces returns ?» En fait, si vous regardez bien, il y a des points-virgules un peu partout à la fin, sauf sur cette ligne-là, cette ligne-là. Parce que le fait de ne pas mettre de points-virgules à la fin d'une expression, c'est exactement comme si j'avais écrit ça. D'accord ? Donc en Rust, si vous voulez, la dernière expression d'une utilisable dans une fonction, c'est le résultat de cette fonction. Donc je disais que ok, j'estime l'intensité carbone sur la base de la consommation qu'on m'a donnée en entrée et des prévisions que j'ai obtenues. En grosso modo, parcourant mon tableau heure par heure. Et hop, je dégage les n premières qui correspondent aux heures qui sont avant le début de ma consommation. Je ne conserve, j'en prends que celles pour ma durée de ma consommation. Et je transforme ces intensités en une empreinte en la multipliant par l'énergie que je consomme en une heure, étant donné ma vitesse de consommation. Donc 3 kW multiplié par une heure, ça fait 3 kWh. Donc si j'ai 20 grammes fois 3 kWh, ça me fait 60 grammes. Enfin, 20 grammes d'intensité par kilowattheure, ça fait 60 grammes. Et à la fin, je fais grosso modo une somme. Voilà. Donc ça, c'est une façon très programmation fonctionnelle et donc pédante de faire une boucle for. Bref. C'est un peu tard pour demander, mais vous voyez bien au fond, ça va. Il n'y a pas besoin de zoomer sur le... Ok, super. Sait-on jamais, hein, là. Sait-on jamais. Donc là, on a notre partie métier. Qui est déjà tout implémenté, mais il manque le fait d'aller demander à Electricity Maps c'est quoi les prévisions pour demain. Pour ça, on va aller jeter un œil dans le module qui s'appelle Request, que j'ai appelé comme ça à cause du nom de l'outil qu'on va utiliser pour faire sa requête HTTP, parce qu'il s'appelle Request. J'ai créé un sous-module dedans, qui s'appelle Electricity Map, que je vais dédier à ces appels vers Request, pour Electricity Map, et dedans j'ai créé une structure qui s'appelle REST Client, dans laquelle j'ai un client au sens où l'entend request, et puis une URL de base sur laquelle je vais aller taper. Alors pour que vous ayez une petite idée de ce à quoi ça va ressembler, tac, hop, la requête qu'on va faire vers Electricity Map, c'est un bet get avec juste des données perso, et puis on dit donne-moi la prévision pour demain en zone France. Et hop, si je l'exécute. C'est là le moment, voilà, super. J'ai un résultat qui a cette tête-là, c'est-à-dire un JSON qui contient trois informations. En gros, il n'y a que le forecast au milieu qui nous intéresse, et on va avoir, heure par heure, sur les prochaines heures, l'intensité carbone en grammes de CO2 par kilowattheure. Et donc, moi, je vais aller récupérer celles qui correspondent à la plage de demain. Donc, pour faire ça... J'ai une petite fonction qui me permet de créer un nouveau REST client avec les identifiants que je vais pouvoir utiliser pour créer mes requêtes. J'ai créé quelques petites fonctions en bas, là, juste pour pouvoir ajouter le header, blobber, machin truc, là, pour la sécurité, pour l'identification. Et je vais ajouter, quelque chose pour représenter mes résultats. Parce que le JSON qu'on a vu juste avant que m'a répondu Electricity Maps, il faut que je le représente en code Rust. Donc pour ça, je vais créer deux structures.
Forecast response est celle qui est englobante, qui contient forecast, qui est un vecteur de forecast, et dans forecast, je vais retrouver mon carbon intensity et la date. Et parce que j'ai été suffisamment gentil et que j'ai demandé à CRD de générer de quoi désérialiser tout ça, eh ben j'ai pas besoin de faire plus que ça. J'ai quelque chose qui va désérialiser facilement depuis du JSON. Enfin, depuis plein de trucs, dont du JSON. Je vais implémenter quelques petites fonctions, quelques petites méthodes de parsing pour que je puisse transformer cette représentation du JSON en un résultat qui m'intéresse, c'est-à-dire un tableau, enfin peut-être un tableau, de 24 cases, avec dans chacune des cases l'intensité carbone pour les différentes heures de la journée de demain. Donc pour ça, je commence par juste garder les éléments du forecast qui sont pour demain, et puis je vérifie que j'en ai bien 24, on ne sait jamais, et je les trie par heure, histoire d'être sûr que j'ai bien minuit en premier, etc. Et ensuite, je convertis la partie uniquement carbon intensity en mon objet métier, qui est une intensity, et c'est tout. Et il me reste, tac, à faire le principal, c'est-à-dire à appeler, effectivement, à faire mon get dans mon REST client, où je vais lui dire, eh ben écoute, tu me fais un get sur cette URL que tu fabriques à partir de ta base URL, en mettant en query param la zone que tu as donnée, t'envoies la requête, et ensuite, tu parses la réponse du JSON vers mon forecast response. Et CRD s'occupe de faire le reste. J'ai juste oublié de vous montrer un petit truc, parce que vous avez peut-être pas oublié que, tout à l'heure, mon forecast, je prenais que celle pour demain. Voilà, ici, hop, tac. Next day forecast, alors. J'implémente mon intensity forecaster, donc qui est mon trait que j'avais dans mon domaine métier, où je dois lui dire, eh ben écoute, en utilisant mon REST client, je vais chercher à répondre à un vecteur, peut-être un vecteur d'intensité. Donc pour ça, je vais faire appel au carbon get carbon intensity forecast pour la zone qui m'est passée en paramètre. Et ça, ce résultat-là, qui est un result, je vais le matcher. Et comme je suis fainéant, c'est mon IDE qui va me le générer. Si ça s'est bien passé, alors j'ai une réponse que je vais m'empresser de transformer en un forecast horaire pour la date de demain. Et si ça s'est mal passé, je m'en fous de ce qu'il y a dedans, je vais juste dire que j'ai rien eu. Demain, c'est cette petite fonction là qui est là et qui renvoie juste une date en disant en fait c'est maintenant en heure UTC, mais je prends que la date et je prends demain. Et là, Rust, il nous dit techniquement ton calendrier est représenté sur 64 bits. Donc tu peux être le dernier jour possible sur le calendrier quand tu fais date. Donc c'est possible qu'il n'y ait pas de next day. Donc il me renvoie une option. Je suis assez confiant que mon programme ne sera pas utilisé le dernier jour où le calendrier 64 bits sera valide. Donc je suis OK avec le fait de faire un unwrap. Et il me reste la partie command line interface, où je veux pouvoir appeler mon petit programme depuis la ligne de commande. Et pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle clap, je suppose pour command line argument parser. Tac. Et je vais lui dire, alors, tac, CLI arguments, je vais créer une structure qui va représenter en fait les paramètres d'entrée de ma ligne de commande, et en lui disant juste un derive parser, eh ben, il va me fabriquer tout ce qui va autour pour avoir l'aide, le parsing des paramètres, etc., dans leur bon type, avec la documentation, etc. Et tac, je crée un petit truc pour convertir ce CLI arguments avec toutes les données d'entrée vers la consumption que connaît mon domaine. Et ensuite, j'ai plus qu'à parser. Dire dans ma structure, bah vas-y, parse toi en fait, et donne-moi les arguments que j'ai en résultat par rapport à ce qu'il y a eu en entrée. Et j'obtiens bien donc un args dans lequel j'ai mes différents éléments. Il ne me reste plus qu'à appeler ma fonction du métier,
que j'avais dans le domaine forecast en disant bah, donne-moi les prévisions pour demain, en transformant les arguments en une consommation, une prévision de consommation, en utilisant Intensity Forecaster qui est ici dans ma config, où en fait j'instancie mon REST client qui était dans l'Electricity Map avec les bonnes variables d'environnement qui vont bien. Si ça s'est bien passé, j'affiche le résultat sur la sortie standard. Et si ça s'est mal passé, j'affiche l'erreur sur la sortie en erreur. OK. Je lance tac, run total. Alors, ce qu'il est en train de me faire, c'est de... Voilà, il a fini, il a exécuté donc, ce qu'il a compilé en lui passant en paramètre donc, pour une durée de 4 heures demain à partir de 2 heures du matin pour une consommation de 3,1 kW. Il est allé chercher ça côté Electricity Forecast, Electricity Map, et il m'a dit ce sera environ 620 grammes de CO2. Je te rends la main ? C'est parti. Plus c'est bien, on reste dans le thème, il y a beaucoup de talk un peu sur tout ce qui est green, etc. Voilà. J'étends à droite. Edouard vous montre quelque chose de. On pourrait aller du case pertinent. Hein. Ça peut littéralement lui servir à calculer, par exemple, l'empreinte carbone quand il charge sa voiture électrique la nuit. On va conclure de toute façon assez rapidement, du coup, vu qu'il nous reste quelques minutes, histoire de pouvoir garder du temps pour quelques questions. Je finis de. Vas-y. En fait, maintenant qu'il a fini ce live coding, pour conclure, normalement, le snippet de code. Qui va bientôt être réaffiché, mais vous devriez être à même à peu près de le comprendre sans trop souffrir et surtout d'en écrire des similaires. Je vous laisserai le temps de regarder plus en détail. Rust, on vient de voir le langage, mais il a aussi plein d'amis, Rust. Plein de bibliothèques super cool. On va pas faire le détail, juste retenez que si vous voyez un de ces mots-là, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça va bien se passer. C'est une bonne idée. Request, quand vous avez besoin d'un client HTTP, on vient de le voir. Clap, qui est un petit bijou pour construire des command lines, on vient de le voir aussi. Clippy, qui est un linter en plus, qui est très pédant et qui va vous balancer encore plus de warnings que le compilateur de Rust. C'est très exigeant, mais c'est une bonne manière d'apprendre aussi, puisque ça va vous remonter plein de choses qui pourraient peut-être être un peu mieux faites. Serd ou Serd, ou peu importe comment on le prononce, va s'occuper de toute la partie serialisation des serialisations. Peu importe les formats, vraiment, c'est exceptionnel comme lib, n'hésitez pas à foncer. Tokyo pour tout ce qui est async, NIO pour tout ce qui est gestion d'erreurs un peu améliorée, Warp pour le côté serveur HTTP et non pas client comme avec Request, Log pour avoir un peu plus de log, etc. Enfin, pour les gérer mieux. Et du coup, pour conclure, donc le bout de code ici, normalement, vous devriez être à même de le comprendre et d'en écrire des similaires. Ceux d'entre vous qui ont repéré une exception près pour le côté sûreté, bien joué. Pourquoi Rust maintenant ? Bon, alors, a priori, vous êtes venu au tool, donc c'est que ça vous intéresse, mais mine de rien, il y a beaucoup d'engouement, notamment depuis un an et demi, c'est encore remonté d'un cran maintenant. Il y a 5-6 ans, c'était pas forcément la même chose. Même si personnellement j'adore, je n'aurais pas forcément conseillé à d'autres gens de passer du temps dessus. Ça fait maintenant 7 ans maintenant que c'est le most loved language dans les Stack Overflow Developer Survey. 7 ans d'affilée, c'est pas un hasard. Et un écosystème grandissant, là où avant on manquait peut-être de certaines libs, maintenant c'est un peu moins le cas. Alors c'est pas évidemment des choses comme JS où vous avez des libs pour tout et y compris n'importe quoi, mais néanmoins ça commence à être pas mal couvert. Voilà. Et en plus de ça, il a une place de premier plan dans le monde de WebAssembly. Voilà. Je vous fais pas toute la liste des URL à droite, mais le Rustbook. N'hésitez pas, c'est un bon moyen de découvrir Rust, c'est très complet, c'est la bible de Rust, etc. C'est long, mais c'est un bon point d'entrée. Et sans rentrer dans les détails, c'est les objectifs que vous trouverez, et les non-objectifs de Rust que vous trouverez sur le site officiel de Rust. Je vais en garder qu'un ici pour conclure à temps. C'est l'avant-dernier point, en bas à droite. C'est Rust a comme objectif de ne pas être dogmatique, d'essayer de faire des choses qui ont un peu de sens, d'être pragmatique. N'hésitez pas à faire pareil. Rust c'est très cool, j'adore Rust. Pour autant, il n'y a pas de silver bullet, que ce soit des concepts ou des technos. Allez pas réécrire des choses en Rust juste pour le principe de les réécrire en Rust, à moins que ce soit un projet perso et que vous vouliez vraiment vous marrer. Mais donc voilà, soyez pas dogmatique sur Rust. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous avez un petit QR code vers un open feedback pour nous donner du feedback. Il y avait un autre orateur qui avait un QR code open feedback hier. Je l'ai scanné, ça m'a pris littéralement 10 secondes de cliquer sur 3 boutons pour dire ce que j'en avais pensé. Donc s'il vous plaît, prenez le temps, ça sera très utile pour nous. Et puis merci de nous avoir écoutés. On n'a probablement pas le temps pour plus d'une ou deux questions, j'imagine. Non, zéro même. Non, ça va être juste. Ouais. Ceci dit, si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps du coup, zéro. Ça marche. Non, pas tout dit, ça marche. Du coup, on sera pas loin. Hein, vous pouvez nous repérer. On va remonter les escaliers. Voilà, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Sur Rust. Sur Rust. Même sur d'autres choses, on n'aura peut-être pas forcément la réponse. Pardon. Sur Rust non plus d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci.